Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, c'est... Non mais alors, je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte, là, ou je suis en train de pisser sur un violon, là? Il n'y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire, d'accord? Non mais moi, je joue pas ça, c'est trop de la merde. C'est visible, on s'en fout, on le fait et puis basta, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. On va passer pour des guignols devant tout le monde, merde. Faut faire quelque chose, les gars. Oh, je vais faire, j'ai pas envie de crever. Mais crever de quoi? Paul, ouais. Écoute-moi, si tu nous sors de là, je couche avec toi. Quoi? Attends. Je te promets, si tu nous sors de cette merde, ouais, tu couches avec moi, comme tu veux. Par devant, par derrière, à l'enfer, comme tu veux. Mais neutralise ce mec. Hé, quoi? Mais t'es pas bien, toi? J'en ai plus rien à foutre. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire, d'accord ?